Bordeaux Métropole entre dans la mêlée à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Au total, 4 matchs vont être joués à Bordeaux, un partenariat qui se veut différent de ce conclu précédemment. Nous avons formalisé avec les collectivités territoriales que sont la métropole et la ville de Bordeaux un accord qui nous permet d'organiser 4 matchs à Bordeaux, à minimum. Des équipes qui vont séjourner en camp de base dans la métropole, on ne sait pas encore exactement le nombre. Nous allons mettre en place des animations à la fois dans le temps qui précède la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde, plus sur la notion de rugby village ou de rugby festival. On est en train de construire avec nos partenaires un programme qui soit le plus efficace possible en matière d'impact positif. L'accent sera mis sur la dimension éco-responsable de l'événement. En plus de la dimension sportive, ce partenariat sera aussi social avec le recrutement de jeunes de 18 à 30 ans. On va nous les embaucher au groupement d'intérêt public. Nous les recrutons sur la base de 3 niveaux de diplômes, bac plus 3 et bac plus 5. Nous allons les former et nous allons les mettre à disposition des clubs sportifs pour augmenter le professionnalisme et la gestion de ces clubs sportifs et préparer l'arrivée de nouveaux licenciés après la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de rugby 2023, c'est à suivre du 8 septembre au 21 octobre avec 4 matchs au minima au stade Matmut Atlantique, dont un quart de finale.